Comment faire pour sensibiliser les jeunes au problème du sida? Rien de plus simple. Vous prenez la classe de seconde 14 du lycée Julie Daubier, leur professeur de français, mademoiselle Véronique Vianney, mélangez les idées des uns et des autres, travaillez durant 3 mois sur la mise en scène, l'écriture, les décors, enfin tout ce qui fait de bons sketchs, et obtenez un résultat très homogène. C'est ce qu'a pu découvrir les autres élèves du lycée ce mardi en salle de conférence. Alors 3 mètres de vie à 3, et avec ça? Ce sera tout, merci. 69 euros s'il vous plaît. Ah, 69, mes meilleurs souvenirs. Monsieur est un adepte du Kama Sutra, ce que je vois. Non, 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 je ne voulais pas parler de ça, je voulais parler de l'année 1969. Moi, pour pas attraper le sida, il n'y a pas de problème, je couche pas. Ah, tu me dégoûtes. Mais au moins, je suis sûr de ne pas mourir de sitôt. Au fait... Oh, ça y est, j'ai conclu. Je t'ai parlé de Suzy? Non. Eh ben, elle se fiance. Arrête. Putain, elle recommence avec sa Suzy, elle me gave, elle me pète les couilles. Durant une demi-heure, les 32 élèves de la classe ont présenté des sketchs où l'humour, parfois grinçant, avait la part belle. Mais aussi des sketchs porteurs d'un message ou d'une information. Où acheter des préservatifs, comment les mettre, mais surtout, comment se protéger. T'es au courant que ma soeur avait travaillé au zoo cet été, oui? Oui, à la section éléphant, oui. Bah, je comprends pourquoi quand elle est en train de marcher en canard, hein. La capote à éléphant. Il y a des photos de ma soeur en train de se faire un Marcel. Non, pas le voisin, le caniche du voisin. Ah, des préservatifs. Ah ben, pour 12 ans, elle organisait, elle les a classés par parfum quand même. Banane, citron, framboise, menthe, fraise, vanille, myrtille, ananas, fruit de la passion, pomme, chocolat, choucroute, couscous, cervelas, langue de bœuf, tripe, cassoulet, tout pourri. Tu es comme un mec, comme un mec. Tu te vois embrasser un homme, toi? Quoi, t'es un homme? Mais arrête tes conneries, me touche pas. Je porte pas les manières de ta fiole. Putain, mais arrête, ils ont pas tous des manières féminines. Et si ça se trouve, t'en connais, t'sais même pas qui sont homos. Ouais, bah ça m'étonnerait, hein. Je les approche pas à des kilomètres, les PD, moi, je les repère. Ensuite, M. Christian Mermoz, représentant de l'association Aide 57, a montré et expliqué à l'assistance tous les moyens existants pour que le sida ne fasse plus autant de ravages. Espérons que pour tous, le message soit bien passé. Il y a deux choses importantes qu'il faut bien avoir en tête. Est-ce que c'est marqué NF, normes françaises? Ce sont les normes les plus sévères en termes de résistance. Par exemple, dans un préservatif, on met 12 litres de flotte dedans et la capote ne doit pas exploser.